Alors, la semaine dernière se déroulait le 8 Days à Paris, sous la pyramide du Louvre, au lieu de la culture française. Et on a vu pas mal de choses. Donc, on va commencer avec Shaun White Snowboarding. Effectivement. Premier vrai jeu de snowboard next-gen, finalement, puisqu'on a eu Amped 3 et SSX M Tour qui étaient des portages. Ouais, vraiment. Là, c'est le moteur d'Assassin's Creed et ça a pas mal de gueule. Un gameplay classique, ouais. En termes de manipulation, de système de tricks et tout ça, ça reprend vraiment les bases de tous les jeux de snowboard qu'on a déjà vus auparavant. Et par contre, la nouveauté, c'est sur la liberté. All of the zones are completely open on all the mountains. So we've got four mountains. There's three zones on each mountain. It's all seamless. There's no loading time when you go. You can go from top to bottom. Quand le développeur, en fait, en haut de sa montagne, s'engage sur la piste, t'as vraiment le sentiment qu'il peut aller partout, n'importe ouais. où. D'ailleurs, le mec sautait, voilà, par-dessus une crevasse à gauche, prenait un chemin à droite, vraiment changeait comme ça, et tu sens que la même descente, tu peux la faire de plein de façons différentes. C'est quand même très agréable. En fait, tu peux enlever ta board et te balader à pied. Complètement. Et du coup, aller chercher des spots à droite à gauche. Apparemment, les persos peuvent aussi donner des indications en disant... Oui, parce que tu as des NPC. Bon, voilà. C'est mineur, hein, mais tu peux aller leur discuter avec eux. Ils peuvent te filer des petites indications du genre « Tiens, j'ai entendu dire que derrière telle piste, il y avait cette petite caverne où il y a pas mal de tricks à faire, etc. Ouais. » Ça peut être sympa. Mais même, tu fais bien le NPC. Merci. Mais même la montagne en elle-même sera pas pareil que son soit en haut ou en bas. So it's a contrast from the top, which is there's no man-made features. It's all open. It's like really aggressive terrain, rocks, big cliff drops, crevasses, chutes and spines. Alors qu'en bas, ça va être les half-pipes, les grinds et les modules faits par l'être humain. Exactement. Où il y aura tout ce qui est tournoi, etc. Exactement, voilà, tous les tournois. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus va se baser la progression du jeu. Parce que quand tu vois la démo puis que le développeur t'en parle un petit peu, tu dis bon, effectivement, tout est libre. All four mountains are all unlocked and all the areas of all the mountains are open. So your peak, your backcountry and your... You know, your park area on the bottom, into the resort, those are open. Comment, par quoi je commence, ouais. Comment se gère la difficulté, comment est-ce que je sais que j'ai bien fini comment je suis récompensé une piste, comment je suis récompensé, comment ça évolue, comment je progresse. Et bon, on n'a pas eu toutes les réponses, on a eu quelques-unes. La première que j'ai trouvé un peu bidon personnellement, c'est ce qui concerne l'équipement en fait. Ouais. We have gear, that's all unlockable. You're gonna see your friends in multiplayer, and he might have a different hat than you have, or a different jacket, and you know, that jacket's pretty cool, so you want that. So, you know, it's sort of going to motivate you to want to progress a little bit more. Maybe participate in different competitions, different events to try and make that progression. Franchement, moi d'expérience, alors c'est peut-être moi, hein, mais les équipements, c'est rigolo 5 minutes, mais c'est pas une fin en soi. C'est ça qui montre ta street cred en ligne, quoi. Exactement. Par contre, le truc que je trouve super intéressant, c'est leur travail sur les animations. Complètement, oui. C'est-à-dire que quand tu vas commencer ton jeu tout bêtement avec ton rider de qui est créé de zéro, ouais. Il aura des animations pas très assurées, il grabera pas très bien sa planche, exactement, machin. Ouais. Alors que, au fur et à mesure du temps, il va y avoir des animations de plus en plus sûres, de plus en plus classe, et ça vachement intelligent. Et pas que pour ce jeu d'ailleurs. Si ça peut être amené à n'importe quel type de jeu, bah oui, c'est non, mais c'est vrai que c'est vachement bien. C'est une idée que je trouve très intelligente et très fine. Il y a des petites idées sympas, tu vois. Par exemple, ça va être des idées mineures comme le fait de pouvoir prendre des télésièges pour remonter, prendre des hélicos pour aller un peu explorer ou tu vois retrouver les cimes des montagnes. Mm-hmm. Et puis aussi des choses un peu plus cosmétiques, mais qui sont intéressantes aussi, comme la vue intérieure. It came right from Sean. Sean was really, really adamant about us creating a perspective where it looks like we're looking through his goggles. He really wanted the player to feel that sense of extremeness and just how crazy the terrain can get. And it totally changes the feel of the gameplay when you switch into that camera mode as well. That's much more difficult. Ah, la vue intérieure. Et la vue intérieure, c'est vrai que quand il l'a lancée, elle faisait un peu cheap, hein, limite Cool Borders 2, tu vois, vraiment, voilà, caméra intérieure et rien de plus. Et en fait, à un moment donné, en fait, le mec donc, fait une espèce de holly, enfin, il saute au-dessus d'une crevasse, et là, d'un coup, t'as les bras et la planche du joueur qui rentrent dans le champ de vision. Exactement. Et là, tout de suite, ça donne plus de corps. Quelque chose, en fait, visuellement, il y a le côté, entre guillemets, sensation forte. Ouais. Et c'est vrai qu'au moment où ils rajouteront un peu, genre, le masque, les effets sonores, le vent, la respiration du mec,
une vraie impression aussi de retomber, etc. Ça va être énorme. Bah, de toute façon, globalement, c'est un peu à l'image de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il manque des couches. Il manque beaucoup de couches. Visuellement, c'est déjà impressionnant au niveau des décors, mais l'impression de vitesse est très mauvaise. Ouais. Les animations du personnage sont hyper rigides, mal liées les unes entre les autres. En plus, c'est le moteur d'Assassin's Creed, mais il y a aussi un peu cette philosophie de quelque part voilà, avoir des environnements très très ouverts. Et puis, bon, fais un petit peu ce que tu veux, mais il faudrait pas que ça récupère aussi les mauvais aspects de cette philosophie. C'est-à-dire, t'es super libre, t'as un super environnement et tout, mais finalement, au niveau du contenu, bon. C'est pour ça que moi je suis très 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 inquiet, limite pessimiste, et que j'attends d'en voir beaucoup plus. Bah, le 3, on est bien espérant. Alors Ruby Days toujours, là on continue avec Far Cry 2. Alors on n'a pas eu l'occasion non plus de l'essayer celui-là, mais bon là c'est surtout qu'on n'a pas eu le temps. Par contre on a assisté à une démo assez longue. Assez longue et fournie en tout cas. Ça reprend la formule des Far Cry qu'on connaît, c'est-à-dire un grand univers très. Bah là, c'est quoi? C'est 50 km carrés de savane. De savane, exactement. Avec un jeu finalement assez linéaire, comme l'était premier, Far Cry. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, tu vas de ton point A à ton point B pour faire tes missions. Ce qui est intéressant, c'est comment tu vas de ton point A à ton point B. C'est comme dans Far Cry, c'est-à-dire, c'est des attaques. Tu passes de petites attaques en petites attaques, et puis entre les deux, tu te diriges, quoi. Tu explores un peu l'environnement. Et là, ce qui est assez amusant, et on l'a vu dans la démo, on a eu un petit exemple, c'est justement de quelle manière tu peux t'y prendre un petit peu pour attaquer un village par exemple. Alors évidemment tu peux y aller à pied, contourner, y aller en stealth, tu vois, un peu t'infiltrer, etc. Et puis bon bah le démonstrateur a choisi une approche un petit peu plus spectaculaire. Un peu moins subtile en tout cas. Et donc en fait il s'est mis au volant d'une voiture, une voiture qu'il a piégée au préalable, c'est-à-dire en plaçant de la dynamite dessus, des bombes, etc. Des mines, ouais. Donc il a conduit dans la savane, voilà, il avait l'air plutôt en confiance. Personnellement j'aurais un peu peur de me prendre un arbre. Et il finit le reste à la mitrailleuse. Voilà. Alors, moi, j'ai identifié des trucs qui m'ont un petit peu gêné, quand même, déjà. Déjà, première chose, l'intelligence artificielle. Ah oui. Alors, je veux bien qu'elle soit au niveau minimum pour la démo, ça, il n'y a pas de problème, on a l'habitude. Mais alors, voir les ennemis plantés comme des piquets, ou alors se finir des mecs à bout portant qui sont accroupis devant toi, qui te regardent comme si. Qui attendent juste de prendre des balles, en fait. Ouais. C'est un peu problématique. Les mecs n'étaient pas très réactifs. Vraiment, ça fait mal à l'ambiance du jeu qui, autrement, est très réussie. Enfin, tu vois, la savane est vraiment assez impressionnante, moi, je trouve assez belle. En plus la faune locale, enfin tu vois les animaux qui sont là, et en plus il y a un truc sympa avec les animaux il me semble. Le truc sympa c'est que les animaux t'attaqueront pas, ouais. Donc t'auras pas à vider des chargeurs sur des lions machin, mais tu peux te faire repérer par les ennemis effectivement, comme s'il y a un vol d'oiseaux, des gazelles qui commencent à courir, les ennemis vont se dire tiens il se passe quelque chose. Let's go investigate. Et là, il tombe sur toi et exactement. Ça peut te faire mal. Et voilà. Et après, pour revenir un peu dans le côté un peu négatif de cet aspect-là, moi, c'est les environnements que j'ai trouvé quand même un petit peu statiques. T'as des barricades qui, quand tu leur tires dessus, ne réagissent pas. Ouais, ce qui est assez paradoxal, c'est que les mecs, quand ils te montrent des explosions, machin, ça vole dans tous les sens, exactement. C'est magnifique, etc. Par contre, une balle sur une planche, la planche, elle mufte pas. Et ça, c'est un petit peu gênant. Moi, il y a une interrogation que je me posais, que je me posais aussi pour Far Cry 1, que je me suis posé aussi pour Crysis, c'est de se dire, bon, ok, on a 50 km² dans un environnement comme l'Afrique, mais justement, étant donné que c'est un environnement, donc quand même un certain type de paysage, tu vas pas te retrouver non plus dans des trucs antinomiques à l'Afrique, c'est comment vont-ils réussir à conserver un rythme intéressant et surtout à varier les décors et à varier les expériences. Il y a un certain défi, là, je l'avoue. En fait, on a 50 endroits qu'on appelle des « carriers ». Les carriers, c'est vraiment des endroits où on étudie des géographies complètement différentes, des endroits majeurs où il y a vraiment des expériences spécifiques de jeu.
Je donne un exemple. On a un key area qui c'est un Dogon Village, un village Dogon. Village Dogon en Afrique, si quelqu'un cherche sur Google, ça existe. C'est des structures un peu troglodytes dans les montagnes. C'est vraiment majestueux, c'est unique. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs. On a recréé ça à partir des photos, à partir des illustrations conceptuelles. Puis c'est vraiment, tu arrives là, puis waouh! Tu as presque l'impression, est-ce que c'est sur la Terre? Oui, ça existe. C'est pris d'une culture qui existait en Afrique. Puis on a pris comme ça 50 types d'environnement. De tout type, que ce soit une usine chimique, une gare de train, une vieille gare de train désaffectée. Donc, il y a une panoplie. On a un des endroits intéressants qu'on a dans le démo, c'est un village de pêche, mais qui n'a plus d'eau. Donc là, c'est un village de pêche sur du terrain sec. Donc, tous ces endroits-là ont vraiment un look unique que je comparais au look unique que tu aurais dans des niveaux classiques d'un jeu, mais dans notre monde ouvert. Enfin, voilà, globalement, c'est un jeu qui s'annonce assez chouette. Il y a des problèmes à régler, moi, je trouve, vraiment. Ces histoires d'IA et d'environnement un petit peu rigide au niveau de l'interactivité, bon. L'animation aussi n'est pas toujours très fluide. Ouais, bon, ça, c'est pas dramatique. Moi, en fait, ce que je retiens surtout, c'est que, bon, là, on pinaille, on compare à Far Cry, à Crysis. Faut pas oublier, surtout que nous, on s'est intéressé aux versions console. Ouais. Un jeu comme ça n'existe pas sur console. Je veux dire, c'est du Far Cry, ouais. T'as je sais pas combien de véhicules, des barques, des bagnoles, des avions, des machins, t'as du Delta Plane qui fait son grand retour, ouais. Et puis une belle distance de vue aussi, enfin c'est voilà, je pense que ça fonctionne. Moi, mon interrogation, ça va plus être effectivement aussi sur la variété des missions. Ouais. J'attends vraiment un truc qui m'emmène aux quatre coins de l'Afrique et qui soit visuellement... soit autre chose que détruit tel pipeline et détruit telle baraque, quoi. Exactement. Mais effectivement, voilà, une fois qu'ils auront travaillé ça, donc un petit peu de variété au niveau du gameplay même, ouais. Et qu'ils auront réglé ces petits problèmes d'IA dont on parlait, je pense qu'on pourra vraiment avoir un FPS solide de la trempe du premier Far Cry à l'époque sur PC. Alors Ubidays toujours, et cette fois-ci on va s'intéresser au jeu Tom Clancy, puisqu'on a eu l'occasion d'en tester deux. Oui. Alors moi je vais commencer avec End War, que j'ai eu l'occasion d'essayer, donc le jeu de stratégie temps réel donc d'Ubisoft, avec la particularité d'utiliser la commande vocale pour toutes les actions à faire dans le jeu, en tout cas tu peux si tu veux. Aussi jouer au pad bien évidemment, mais l'intérêt c'est de se servir du micro casque. Alors moi je suis très très mauvais en jeu de stratégie, mais vraiment, donc j'ai rien compris. Par contre bon voilà, non mais c'était vraiment pour tester la commande vocale, et à ce niveau là on va pas s'étendre parce que bon bah voilà, il n'y a rien de plus à dire, mais en ce qui concerne la commande vocale c'est vraiment très réussi. J'étais un peu dubitatif parce que pour moi c'est vraiment typiquement le genre de feature que tu développes parce que un tu sais gadget, pas quoi, ouais, que tu sais pas trop quoi faire d'autre, que tu veux coller ça sur ta jaquette et que bon, et en fait c'est vachement bien. Déjà ça marche très très bien, même avec mon accent anglais dégueulasse et en bafouillant et tout ce que tu veux, j'ai dû rater quoi deux phrases sur je sais pas combien. You need to secure the data. Et non, vraiment, ça marche bien. Puis il y a tout un système assez intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, tu assignes des groupes. Donc ça c'est classique, hein, des unités à des groupes, donc tu n'as plus 4 ou 5 groupes, et qu'en fait tu peux basculer la caméra sur chacun des groupes que tu veux par simple commande vocale. D'accord. Donc voilà, si tu dis voilà caméra squad 1, hop tu y vas, caméra squad 2, machin, donc ça te permet de, pareil, sans utiliser le pad, de basculer d'un groupe à l'autre assez facilement. Donc là je peux dire unit 4 camera. Unit 4 camera. And here's the helicopter that's coming to drop off your tanks. Donc voilà pour End War. Et on va passer maintenant au gros morceau de la distance Tom Clancy. La grosse surprise en tout cas. Hoax, qui était pour beaucoup de journalistes, parce qu'on a glané des informations à droite à gauche. On reste pas tous les deux tout le temps. Bon, ça nous arrive de parler avec des gens quand même. C'est ça. Pour beaucoup de journalistes, c'était le jeu du salon, vraiment la grosse surprise. Donc c'est le Ace Combat d'Ubisoft. Pour toi, c'est le jeu dégoûté quand ils vont entendre ça. Pour toi, c'est le jeu du salon ? Pour moi, c'est le jeu du salon, clairement. Ah vraiment ? Ouais, vraiment. Alors déjà, la première claque, elle est visuelle. Ouais. Les reflets du soleil dans l'eau, la ville en elle-même, les montagnes. Mais graphiquement, c'est vraiment super. Ouais. En plus, à 60 images par seconde, faut quand même le dire, c'est juste magnifique. Ça tombe nickel. Plus beau qu'Ace Combat 6 avec deux fois le framerate. Ouais. Donc là, on peut dire quand même chapeau, quoi. Voilà, et chapeau pour le reste aussi, parce qu'en fait, donc, quand tu commences à jouer, tu commences en mode entre guillemets Ace Combat, donc t'es derrière ton avion, plan. T'as des losanges à la Ghost Recon, Ghost Recon pour te rappeler que t'es dans un jeu Tom Clancy. Mais alors à part ça, tu vois pas trop la différence, quoi. Ouais. Mitrailleuse, missile, point. Le seul truc, c'est qu'en appuyant deux fois sur le trigger d'accélération, tu vas pouvoir te mettre en vue off, c'est-à-dire où tu vas voir ton avion de très loin. Ouais, exact. Côté un peu, enfin vraiment cinématographique. Mais tu continues de le diriger avec ton stick, ton avion. Ah bah bien sûr, tu continues à le diriger en vue extérieure, quoi. Bien sûr. Pour éviter les missiles, pour détruire d'autres ennemis, etc. Et non seulement là, visuellement, c'est d'une classe folle parce que c'est un film. Ouais. Thank you.
en plus, au niveau du gameplay, ça reste super maniable. C'est ultra gratifiant parce que tu as vraiment l'impression de voir toutes les actions que tu fais. Alors qu'avant, il fallait un replay pour exactement, ça. Ouais, ouais. Là, tu as l'impression de jouer le replay. C'est ça. Ça fonctionne super mais bien. Mais ça, c'est un truc qui est génial. Enfin, moi, les S-Combat, bon, je suis pas très jeu d'avion ou quoi, mais il y a toujours un truc qui m'a gêné, c'est qu'en fait, dans ces jeux-là, t'es pilote de chasse, t'es dans le ciel, c'est censé être super impressionnant, c'est comme un terrain de jeu extraordinaire, mais du fait d'avoir toujours cette vue subjective bloquée soit derrière l'avion, soit dans le cockpit, bah tu profites pas vraiment, tu vois, je veux dire, tu survoles des villes magnifiques et tout, puis tu profites pas de ça. Ouais. Alors que là, avec cette vue extérieure, mais c'est une maestria visuelle. Quand t'es au-dessus de Rio de Janeiro, que t'as les montagnes, la ville avec les buildings, tu vois que tu vois vraiment ton tout petit avion qui se fraye un chemin, puis les fumées, les explosions, c'est juste magnifique. Ouais. Et il était temps quand même. Puis à côté, il y a aussi des petites idées de gameplay qui sont sympas. Enfin, en fait, ça tourne autour, comme pour les losanges, de la réalité augmentée. Mais moi, il y a un truc qui m'a plu, c'est le système de couloir qui te permet, alors d'une, d'éviter les missiles. Ouais. Parce que quand un missile te fonce dessus, tu déclenches le couloir et ça te permet d'essayer justement de te barrer de sa trajectoire. Et ça te sert aussi quand, par exemple, parce qu'il y a tout un tas de missions en fait qui peuvent être très très variées, que ce soit en air, enfin tu vois, du ravitaillement, du machin, du dogfight à la con, ou alors aussi du bombardement sur des bases au sol. Et là, donc, tu es obligé de passer très très bas, très très près des buildings. D'ailleurs, parenthèse, le jeu est toujours aussi beau quand tu te rapproches du sol, ce qui n'est pas commun. Et en fait, le fait d'avoir des couloirs, ça te permet de ne pas te cracher au sol, tout simplement, parce que c'est pas évident de passer en rase-mode comme ça. Mais même autre chose, parce que tu parles des missions justement avec des cibles à terre, quelque chose que j'ai trouvé très intelligent, c'est que théoriquement, dans les Ace Combat à l'époque, c'était justement tu passes en rase-mode comme ça. Complètement. Là, il y a une différence, parce que dans la mission que j'avais jouée, il y avait un tank au sol, protégé par des buildings en fait. Sauf qu'il fallait éviter de détruire les buildings pour pas faire de dommages collatéraux. Oui, c'est ça, oui, t'as des. Et donc, en fait, faut que tu montes, que tu redescendes en piqué. Que t'envoies ton missile et qu'au dernier moment tu repars. Exactement. Et là, il y a un travail, ne serait-ce que, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais dans ce jeu d'avion, il y a un vrai travail de level design. S'il y a bien un truc qui est gênant dans ces jeux-là, on en parlait sur Far Cry 2, mais finalement ça peut se coller aussi à ce genre de jeu, c'est que bon, le terrain de jeu c'est le ciel. À partir de là, au niveau variété, faut vraiment travailler pour arriver à faire en sorte que t'aies pas l'impression de faire toujours la même chose, quelles que soient les villes, le ciel c'est le ciel, et bon voilà, bombarder des avions ça va bien 5 minutes. Déjà, premier truc, ce que vous avez vu aujourd'hui, ce que vous allez voir si vous l'avez pas encore vu, c'est juste un petit préambule, c'est juste une démo technique et de gameplay pour vous montrer des éléments, mais c'est pas une vraie mission construite. Donc il y aura beaucoup plus d'attention portée à la narration et à l'évolution de l'histoire. Ensuite, dire que les environnements n'ont pas d'impact, je suis pas vraiment d'accord, parce que ça a un vrai impact sur le gameplay. Se battre au-dessus d'une plaine quand on doit protéger des colonnes de blindés dans le désert, ou se battre dans des montagnes pour détruire des caves avec des soldats rebelles à l'intérieur, c'est pas le même gameplay parce que on doit voler à basse altitude. Et c'est là que nos features de jeu comme l'IRS qui calcule les trajectoires pour vous, qui vous permettent de voler à basse altitude ou voler entre les buildings, etc., c'est pas la même chose. De même, c'est pas la même chose de détruire des tanks dans le désert, comme je disais, ou alors quand on est au-dessus de Rio, qui est une vraie ville, où on ne doit pas détruire de buildings, sinon il y a des problèmes de dommages collatéraux. Donc c'est pas l'implication n'est pas la même. Et donc voilà, c'est une interrogation. On verra au final, c'est ce qui fera justement qu'on saura de quel bois est fait ce Hawks. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà une bonne chose de savoir qu'ils vont dans cette direction-là, avec des missions quand même variées et des objectifs qui font que t'as pas toujours l'impression de te coltiner la même sauce, quoi.